Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. On va continuer notre petite... je sais plus vraiment ce qu'on est en train de faire. Ah si, on se balade et on recherche de la nourriture parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien, plus grand chose. Ok, très bien. Bah ça va, il fait bon et tout, on a dormi. On peut peut-être même dormir encore un peu. On a un truc, alors j'ai appris quelques petites choses par rapport aux gourdes isothermes. Alors il en existe 6 différentes et apparemment il y aurait des endroits fixes en fait où on peut en trouver. Donc ça c'est une bonne chose pour nous parce que, alors du coup bah nous on a déjà fait bien sûr tous les lieux hein. Genre courir un peu aveuglement et revenir sur nos pas et tout, ça va être chiant. Donc du coup, si c'est des lieux fixes, on pourrait peut-être se faire une petite liste en fait. Donc j'ai vu ça, donc ça a l'air assez intéressant. Alors 5, 6, 7 et 8. Et j'ai aussi appris autre chose par rapport à la gourde. Donc je suis allé voir de combien elle réduisait. Donc si on est en extérieur, elle réduit la perte de chaleur de 50%. Et si jamais on est en intérieur, parce qu'elle fait la différence, si jamais on est en intérieur, elle réduit la perte de 75%. Et il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut garder les choses au chaud indéfiniment si on reste à côté d'un feu. Donc faut pas s'éloigner de plus de 2 mètres en fait d'un feu. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'on pourrait faire, ça serait genre dormir à côté d'un feu. En gros, ça serait de chauffer, donc comme ce que je fais là, chauffer toutes nos tisanes, les mettre dans la gourde. Et après, tant que le feu est allumé, en fait, vous pouvez dormir à côté. Ça. Voilà, donc maintenant je l'ai sur moi et en fait la barre reste au maximum, et bien sûr je peux aussi la poser par terre hein, si je veux, et la barre reste au maximum. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup vous n'avez pas vraiment besoin en fait de, on va dire, de réouvrir un feu le matin quand vous vous réveillez, à condition bien sûr d'avoir un peu calculé quand est-ce que vous pouvez vous reposer. Genre par exemple là on va boire un peu. Ça. On va boire un peu, on va manger ça, comme ça on le finit. Et on peut dormir encore une heure par exemple. Ouais. Et là on aura encore en fait toute la gourde qui est chaude. Mais par contre ce n'est vraiment pas possible hein, de réchauffer le contenu de la gourde sans le sortir au préalable. Donc ça c'est un peu le côté un peu bête. Est-ce qu'on fait chauffer quelque chose avant de partir? On a de la vie. Ouais, ça va. On a des vieilles tisanes. On peut peut-être faire ça. Ah, très bien. Et si je vous montre le contenu de la gourde. Ben, je viens d'apprendre quelque chose. Ça marche pas quand elle est sur vous en fait. Ok, j'ai rien dit. Je pensais que pourtant je crois que j'avais bien lu que ça marchait quand elle était sur vous. Non, bah ben, du coup il faut que. Ben mince alors. Non, bah elle marche pas quand ça. C'est pas. Ça marche pas quand c'est sur vous en fait. Faut que vous mettiez la gourde par terre. Ok. Bon. Autant pour moi. Autant pour moi. Et merde. On va tout chauffer parce que je crois que j'ai tout mélangé. Le jeu met pas en fait les choses séparément. Enfin non, le jeu met pas en premier par exemple tout ce qui est chaud et après tout ce qui est froid ou vice versa. Donc du coup je sais pas en fait qui était chaud et froid. On va prendre ça, on va boire. Ah, très bien. Non.
Ok. À moins que j'étais trop loin, ça m'étonnerait. Voilà. Très bien. Voilà, l'aéroplane. Ouais, bah du coup, non, voilà, c'est... Faut pas... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut juste... ce que j'ai dit, c'est vrai, parce que... voilà, c'est, ça a été prouvé. Mais ça fonctionne pas si la gourde est sur vous, en fait. Donc on veut d'abord regarder le... Le pont, et après on va repartir de l'autre côté. Mais ouais, donc du coup, il faut mettre la gourde par terre. À côté du feu. Voilà, bon, on en apprend tous les jours, hein, c'est bien. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça permet de d'avoir un peu plus de flexibilité en fait par rapport à la au réchauffement des liquides. Mais bon, par contre, un truc j'espère. Oh tiens, il y a une grotte. Un truc absolument, faut qu'ils changent et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Ça va être de bien sûr de. De pouvoir réchauffer le contenu, en fait. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est un ours en peluche. On va prendre un screenshot. C'est un ours en peluche dans les gravats. C'est bizarre. On va prendre du charbon. Très bien. Donc, ouais. C'est la seule chose, honnêtement, ce serait la seule chose pour moi... Personnellement, que j'aimerais pouvoir changer. Après, comme j'avais dit la dernière fois, je trouve aussi que ça se réchauffe. Enfin, ça reste pas au chaud assez facilement. Assez longtemps, pardon. J'aurais bien voulu que. Vu qu'il y a une différence, si vous êtes à l'extérieur, c'est genre moins 50%, et si vous êtes en intérieur, c'est moins 75% et tout ça. Vu qu'il y a une différence. Ouh, il y a plein de bois là-bas. Je dirais que j'aurais bien voulu que ça soit moins 75% partout. Parce que honnêtement, les choses se. Refroidissent en fait très vite déjà à la base. Donc ouais, c'est une petite chose. Mais ouais, le plus embêtant, ce serait de réchauffer les choses en fait. Tout en un coup. Après aussi, j'ai regardé ce qu'on pouvait mettre dedans. par rapport à la nourriture surtout. Parce que bien sûr, oui, on peut mettre des bouillons et tout, etc. Mais le plus intéressant, j'ai vu, c'était des ragoûts. On peut mettre la totalité, je crois, des ragoûts qui existent. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant de mettre des ragoûts à l'intérieur. C'est pour ça que je voudrais aussi plusieurs gourdes. Parce qu'il y en a qu'on pourrait mettre des tisanes, il y en a qu'on pourrait mettre du café, etc., etc. Donc on en a des différentes, en fait. C'est bien ça, dis-moi. Trouver quelques... Quelques bois comme ça, ça va nous permettre ou de faire des arcs ou alors tout simplement travois et tout ça. On va les garder de côté. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac quand même. Enfin, c'est grand, honnêtement, je pensais pas que c'était aussi grand ce côté-là, là, après le pont, mais je crois bien que c'est un cul-de-sac. Ouais, là, ça c'est le... Ça c'est le contrebas, c'est le début, en fait. Nous, on vient du haut, hein. Ouais, on va voir le bas. Ça, c'est le pont là qui est devant. Ouais, non, on va partir. À moins que j'étais trop. Je suis en train de me demander si j'étais pas trop loin du feu pendant qu'on dormait. Mais non, 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 quand j'étais à côté quand on dormait. Donc, ouais. Je pense qu'il faut juste mettre la gourde par terre à côté du feu, en fait. C'est par là le pont ?
c'est... Oui, non, si, c'est par là. Très bien. Il est un peu froid. Alors, on va continuer à se balader un peu. Alors, cette fois, on va aller du côté, comme j'avais dit, on va revenir, en fait, un peu vers le centre. Mais on va passer par la droite, par les hauteurs, en fait. Et voir si on trouve des trucs. On va peut-être prendre ça au passage. Oh, so cold. Très bien. Ah, il fait froid. Hein. On a pris ce chemin. Non, nous on a monté. On a monté comme ça. Après, est-ce qu'on a suivi le chemin? Je crois pas qu'on ait suivi le chemin, celui-là. Là. On va voir si ça nous mène quelque part. Je continue à prendre. On est. Ouais, on est encore bon. On est vachement léger par contre. C'est vrai que. On a pris quand même vachement moins de choses. Est-ce qu'on peut passer par là? Risque d'insomnie. Ah! Ok. Je vois ce qu'il y a. Ça marche. À chaque fois, ça me fait un peu flipper quand je vois genre une altération comme ça, qui une affliction qui pop comme ça d'un coup. Mais ouais, je vais continuer à prendre du bois. Comme ça, si jamais on trouve quelque chose d'intéressant, on pourra faire du feu si on doit s'arrêter ou pas. Bon, va falloir faire attention au bruit parce que là, on n'entend pas grand-chose. Je peux monter ou pas? Ouais. On voit rien. Wow. Okay. Il fait froid ou... Ah, il y a des troncs d'arbres là. On va voir ce que c'est. Ah, c'est pas le fun hein, pour découvrir la map là. On a des champignons. Ah ouais. Ah. C'est un cerf ça que j'entends, non? Ouh, il y a un lapin. Ah, yes! Ok. Ça, c'est bien, ça. Oh, non, je lui fais peur, t'es sérieux? Oh, pardon. Je lui ai fait peur. Comment j'ai pu lui faire peur hein, c'est bon. Le problème c'est que... Est-ce qu'on a assez de... De bois là pour faire du feu? Comme ça on ne tremblera pas. Allez, va-t'en l'avantage. Pas dans la tête. Combien? 7 kilos. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal.
Y a pas un endroit où on peut se cacher du froid, quelque chose, genre une grotte pas loin. Le problème c'est que je pense qu'il fait trop froid là, pour qu'on fasse un feu potable. Je vais voir un peu. 13, 2... Bon, c'est, nous c'est là-bas. Hein. Cette route-là, elle mène où exactement? Oh. C'est quoi ça là-bas? Oh merde! Toxique. Il y a 2 kilos de viande. Toxique. Ah, je sais pas quoi faire. On va faire un feu à côté du cerf. On va faire un feu à côté du cerf. Celui-là qui est abîmé, je vais pas le toucher pour le moment. J'aurais dû peut-être même pas interagir avec. Vous vous rappelez l'autre qui a disparu? Il est où? Bon, le vent a l'air de s'être stoppé, donc il faut en profiter. C'était plutôt vers là. Hein. Là. Parce que là, le feu, il va pas être protégé, mais alors du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est un peu le problème. One little fire. Suffisant, ouais, ok. C'était peut-être un peu trop même le charbon là. Qu'est-ce que je veux faire? On va d'abord s'occuper de ça. Ouais, on va d'abord s'occuper de ça. C'est un peu embêtant qu'on puisse pas mettre les choses exactement à côté en fait. Ça c'est très très embêtant. Quand on est à un feu. Bon, ça va, ça a l'air d'être calmé un peu. On récupère un peu de chaleur là. Ok, ça va, c'est bien. Ok, c'est parti. Donc, cette fois, on va retester. Ah, nickel. Cette fois, on fait ça. Et ça, on en profite. On va prendre d'abord 2 steaks. Et après on va... Ça. Là-bas il y a du bois. Et après on va aller à la carcasse qu'on a vue aussi. Donc là il nous faudrait... Je continue à récupérer du bois pour continuer à augmenter la chaleur. Enfin si jamais on en a besoin. Et ce qu'on va faire, on va retourner après à l'autre carcasse qui est en bas. Et on va récupérer la peau. La peau et les 2 kilos de viande.
On va devoir peut-être utiliser le... Le travois, peut-être. Ouais, on va devoir utiliser le travois. Ça marche. Je vais le mettre là. Bon, ça va, on arrive. Oups, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? On y arrive, on y arrive. On va tout prendre. Ouais. On va prendre les boyaux aussi tant qu'on y est. On en profite. Bon, le feu là il va. J'aurais peut-être pas dû balancer tous les charbons. C'est un peu bête de ma part. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai qu'on a aussi le lapin. Un, deux. Donc ça c'est frais, c'est chiant. Okay. Ok, nickel. Ça sert un peu à rien de prendre des torches. Parce que de toute façon, je peux pas trimballer la torche avec. Avec le travois. Ok, nickel. Il y a combien du coup? Il y a 14 kilos. Ouais, on va utiliser le travois. Ok, ça c'est bon. Ok, let's go. Et je vais voir là. Ah, vous voyez? Ça, ça a pas bougé. Parce que j'ai laissé la gourde à côté du feu. Donc ok, ça, autant pour moi, ça on l'a prouvé. Donc ça marche pas quand la gourde est sur vous. Voilà. Mais ça marche seulement quand vous gardez la gourde à côté d'un feu. Donc c'était plus vers la gauche, je crois, c'est en descendant. Attends, parce que... Oh là là, attends. Là, je suis en train de pas vraiment aller au bon endroit. C'est un peu embêtant de jamais pouvoir bien tourner la tête. Ok, c'est bon, c'est là. Donc nous, c'était à droite. On va déposer ça là. Non, je crois que c'était là. Là-bas. Merde. Ah si, c'est là, c'est avec ça. Ok, est-ce que ça c'est toxique? Ok, on est bon. Et 29 minutes, on va avoir froid sûrement. Mais c'est pas trop grave, c'est pas grave. On va se débrouiller. Quoique. Oh, cool. Cool. Le boyau, on s'en fout. Ah, on voit le feu. Ce brouillard, il est bizarre. Hein. Ce brouillard est super bizarre. J'ai remarqué qu'on voit les choses comme ça de loin aussi. Ok. Je suis un peu curieux par contre de voir ce qu'il y a là-bas. De toute façon, on a notre matériel. Hein. Ouais. Ok. Okay.
Ah putain, il y a encore un cerf. Oh, c'est une grotte. Est-ce qu'on est bon là? 11%. Ok, ça a l'air d'être bon. Non, ça c'est bon ça, ça c'est pas mal ça. Merde. Ok, parfait. Exploration oubliée. Ah, on a chaud. Ah. Ah. Ok. On est un peu fatigué. J'ai un peu peur en fait de... Il y a un feu là. Ok, il y a des objets. J'ai un peu peur. Donc là on a le... On a l'insomnie. Comment on va se débrouiller? Bon, moi je peux pas passer avec le travois de toute façon. Là on passe pas avec le travois, là, ça c'est sûr. J'ai du... J'en ai encore du charbon. C'est quoi ça? Putain, il fallait le voir, hein. C'est vraiment parce que je voyais un point bizarre, quoi. Attendez. Est-ce que... Ouais, non, du coup, je vais pas pouvoir dessiner. Ouais, non. On va dormir. Ici, on va dormir une heure. Ah, le con. Le con. Il est où le sac de couchage? Il est dans le travois. T'inquiète, débile. Oh là là, le teubé. Oh la vache. Ok. Putain, mais il faut vraiment tout regarder. Il faut vraiment regarder le sol en fait. Je regarde toujours vers l'avant pour éviter de qu'on tombe sur un animal. Mais... C'est vrai qu'avec des renfoncements comme ça... allô ? C'est sympa, on dirait une sorte de... Genre, je sais pas, moi ça me fait penser à de l'archéologie en fait, genre de creuser dans des grosses galeries comme ça, enfin, je sais pas. Ça, c'est intéressant. J'aurais bien voulu par contre qu'il fasse pas ce bordel là de brouillard, qu'on aurait pu... genre dessiner. Et du coup là on arrive où là? Rien de toute façon. Je pense qu'on doit couper directement. Je pense qu'on doit directement couper en fait. Dans la... Ah, attendez. Ouais, on a froid là par contre. On a froid. Oh, charbon. On est à 41, c'est ça. Ouais, oh mon dieu, quel dieu. Pourquoi j'ai mis le sac de couchage dans le travaux, moi. Je suis vraiment débile des fois. C'est des choses que je fais jamais. Pour une fois, je le fais parce que je sais pas pourquoi. Puis voilà. C'est vraiment con de ma part. Enfin bref. Normalement, on était où? On a fait ça. Après, on a continué. C'est con que. Là, on a le. Les rails, mais on n'a pas le. Ah bah si. Enfin, si. On a une partie. On a la route en fait. On a ça. Mais on n'a pas le reste. Parce que la route, je crois qu'elle fait comme ça. Comme ça. Du coup. Là, je dirais que là, c'est la grotte où on est. Donc la grotte, elle fait comme ça. Et en fait, ça revient comme ça, je pense. Je pense que ça doit traverser. Je pense pas être loin de la vérité, là, honnêtement.
Je suis quasiment sûr que c'est comme ça. Ouais, quasiment sûr que c'est comme ça. Une autre chose que la dernière fois, on avait dessiné tout ça, là, avec l'aide d'une diaporama. Faudra qu'on regarde la deuxième qu'on a trouvée, si j'arrive à la retrouver déjà dans l'inventaire. Et qu'on garde en tête, en fait, la description. Pour si jamais on... Mais il y a un autre endroit, là. Si jamais on veut trouver l'endroit. Parce que l'autre, je l'ai vraiment trouvé par erreur. Par hasard, plutôt. L'eau, elle est froide ou pas? Non. Oh là, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, l'eau, elle est froide. Ok, d'accord. On peut passer. Oh! Passer. Ah, fait chier. Oh! C'est quoi ça? Ah! Vous l'avez pas mis à l'envers le. Pareil, servant à lancer. Bah oui. Ok, ça marche. C'est pas vraiment utile, honnêtement, pour moi. Ça aussi, c'est un truc. Attendez, on va descendre par le même endroit. Bon, par contre, faut se bouger le cul. C'est marrant parce que nos chaussures, elles sont censées nous protéger contre les produits chimiques. Mais par contre... L'eau, non. Ça, non. N'importe quoi. Ah! Est-ce que le brouillard s'est arrêté? Non. Bon, bah du coup, on est reparti par là-bas. Putain, je vais devoir encore tracer, ça va la fatiguer, putain. Ah, c'est chiant, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus de quoi je parlais. Je peux pas avancer. À cause du vent. Vraiment fait de la merde. Là. Oui, je sais. Là, on doit être à 20%. Je veux pas trop sprinter non plus parce que... Ok, on doit être en sortie là. Tiens, il y a toujours le feu, je crois. 25, ouais. Bon, on va... On va descendre. De quoi je parlais, moi? La diaporama... Oui, non, si, le fusée de détresse. J'étais en train de parler du fusée de détresse. Alors, on va continuer tout droit, puis après on va aller à droite. Normalement, on devrait redescendre sur les maisons, en fait. C'est ce que je veux, comme ça on se met à l'abri du froid. Donc oui, parce qu'on m'a montré que on peut tuer, par exemple, un ours d'une fusée de détresse dans la tête directement. C'est par là ou c'est plus vers la droite? Je pense que c'est plus vers la droite. Donc, en théorie, ça serait une bonne idée de, en plus de l'arc, d'avoir quand même une fusée
Enfin, le pistolet à fusée avec une fusée dedans. Genre, même ça, juste une, quoi. On va passer par là, je crois. Juste pour mettre une fusée dans la tête d'un ours, quoi. Si, c'est bon, c'est bon. On a vu. Alors, attendez. Oui, comme ça on le one shot en fait. Oh merde, je vais pas pouvoir passer là, si. Ouh, on passe. Bah, ça va. Je peux passer. Bah non, je peux pas passer après. Bah non, je peux pas passer. C'est quoi ces cadavres qui disparaissent, qui réapparaissent comme ça? C'est abusé. Est-ce que c'est vraiment un bug? Ou alors est-ce que c'est... Je suis en train de me demander des fois maintenant si c'est pas lié peut-être à l'histoire de la zone. Genre des corps qui apparaissent et qui disparaissent. Bref. On boit, on mange et on va dormir le plus possible. Et après on rentre. Alors je sais qu'on a l'insomnie, mais on a le repos amélioré qui est là. Bon, ça va baisser, ça c'est bien. Voilà. On va voir si on se réveille ou pas. Parce qu'on est un peu bas en vie, donc je voudrais vraiment pouvoir récupérer pas mal de vie. Et après, on va devoir rentrer. Bon, bah ça va, nickel. Par contre, on est en pleine nuit. Ouais, on est bon. Ça sert à rien, l'insomnie. L'altération mettra entre 18 et 36 heures se dissiper. Les tisanes peuvent être une effet de l'insomnie. Ah, vous croyez que c'est parce que... En fait, les tisanes, c'est peut-être ça réduit pas le temps, mais peut-être que... Atténuer l'effet. Donc on a moins de chances peut-être de se réveiller. Peut-être que dans ma tête, c'était mal pensé. En fait, c'est le temps. Par contre, il fait super sombre. Un truc que je veux absolument récupérer. C'est ça. Ouais, mais il n'y a aucun moyen que je puisse passer. Non, il n'y a aucun moyen. Non, on part maintenant. De toute façon, on n'est pas loin, hein. C'est bête qu'on n'a pas pu dessiner le camp. Non, on est là, donc on peut... Fioup. On est malade encore? Non, on n'a rien. Bon, bah, let's go. Let's go. Alors d'abord, on va devoir faire ça. Ouais, je sais. On est à combien? 58. Hop. J'ai failli mettre les trucs qui avaient des croix. Bon, bah c'est bon, let's go. Vous avez vu le dernier onglet là? Faut que je prenne l'habitude de directement le mettre dans le travois, en fait. Ok. Parce que le dernier onglet...
ne peut pas avoir d'objets qui sont abîmés. Ce que j'ai pensé aussi, à chaque fois j'essaye d'optimiser vraiment le travail par rapport à ma vitesse en fait d'exécution, parce que... Attends, c'est quoi ça à droite là? Ah non, c'est des bidons, ça va. Parce qu'on va devoir encore repasser des grottes et tout ça, là, quand on va repartir. J'étais en train de penser à ça avant. Et je me dis que on va devoir optimiser la façon dont on utilise vraiment le travail pour faire les choses plus rapidement. Enfin, pour moi, en fait, et surtout pour moi. Hein. Et le dernier onglet, on peut toujours tout mettre. Parce qu'il y a du tissu et tout ça dedans. Dans le dernier onglet. Donc, on n'en a pas vraiment besoin. Et après, l'onglet d'avant, donc c'est... Où il y a le sac de couchage et tout ça, c'est les outils. Ça, non, on ne peut pas le vider. Par contre, après, il y a l'onglet aussi pour la nourriture. Alors, l'onglet pour la nourriture, techniquement, on peut tout mettre. On a juste à garder l'eau. Par exemple, pour nous. Parce que les calories, ça met du temps à baisser. Ça met un peu plus de temps que l'eau. Mais le problème, c'est qu'on a de la nourriture, en fait, qui est à 0%. Non, on va pas passer par là, parce que sinon c'est toxique. Il y a de la nourriture qui est à 0%, en fait. Donc ça c'est le problème. Du coup, on va la perdre. Encore une fois, j'aimerais vraiment bien que Interland change ça. C'est devenu encore plus embêtant maintenant, parce qu'on passe notre temps, en fait, avec le travail. Donc faudrait vraiment qu'ils enlèvent cette mécanique de quand on met les objets à 0%, on les perd, là. Parce que c'est pour ça que je peux pas le faire avec la nourriture, par exemple. Sinon, on utilise l'option genre tout mettre directement et hop, ça va super vite. Vous voyez ce qu'on vient de faire là maintenant, ça va super vite. Mais voilà, on peut pas le faire avec la nourriture. Gotta warm up somehow. Oh putain, non, c'est pas des loups. Oh putain, j'ai cru que c'était au moins 4 loups d'affilée, là. Oh la vache, c'est des poteaux. Putain. Truc de merde. C'est des poteaux avec les fils et tout, là. Oh là là. J'ai cru que c'était genre 4 loups côte à côte qui venaient vers moi. Ah, super. Histoire de faire peur. Et ben voilà. Et ben voilà, on est rentré. Alors, on veut prendre... bah tout ça. Et après, il reste que la nourriture. Ça, on le laisse. On est à 38. 38, c'est pas mal. Pour le réparer. Alors, on fait un peu. Ah, oh mon dieu, j'ai encore tout ça à... Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi je les mets là, moi? J'ai encore tout ça à ranger. Alors je vais sortir et re-rentrer pour sauvegarder. Kilos de viande, on va dire. 7 kilos de viande, c'est pas énormissime, mais c'est pas mal non plus. J'aurais bien voulu trouver un peu plus. Franchement, j'aurais bien voulu trouver un peu plus. Alors, la prochaine fois,
La prochaine fois, souvenir avec conseil. Putain, c'est pas la bonne carte à chaque fois. Bah, vu que ça a sauvegardé, bah tiens, on va passer un petit moment dans l'inventaire. Parce qu'on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Je voudrais en fait déjà cuire tout la nourriture qu'on a. Et comme ça, on est prêt pour repartir. Oui, et du coup, je parlais des ragoûts. Donc, ouais, tout ça, normalement, on peut le mettre dans la gourde. Donc, ça peut être vachement intéressant. Après, je sais pas comment ça fonctionne, parce que ça ferait 0,35. Donc, ça ferait 0,70 si on en met 2. Ah, du coup, on perd 0,10. Parce qu'on peut mettre 0,8 à l'intérieur. Ah, ça vaut peut-être pas le coup de mettre des ragoûts techniquement. Ah, est-ce qu'il y a des ragoûts un peu plus légers? Mais ça m'étonnerait, ils sont tous pareils. Ouais. Donc en fait, on pourrait mettre 2 doses de ragoûts, je pense. On pourrait mettre 2 ragoûts à l'intérieur. Ouais. Ah! Ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'on peut le réchauffer? Ah oui, je crois qu'on m'avait dit. Parce que honnêtement, comme je fais jamais de la cuisine, je sais pas. Enfin, je fais jamais des ragoûts. Je crois qu'on m'a dit qu'on peut les réchauffer maintenant. Parce que quand c'était sorti, ça marchait pas. Maintenant, on peut. Ah, il y a ça. Y a le... Oui, on m'a dit que le ragoût de Ranger, c'était un des meilleurs aussi par rapport aux calories. Donc, techniquement, si on imagine qu'on veut. On veut prendre ça. Ah, il y a un truc à peut-être à tester. Ah, j'ai pas de bouillon. Le bouillon, on peut pas. De toute façon, le bouillon, pour le moment, il est buggé, donc on peut pas l'utiliser. Je crois bien. Même pour faire un ragoût. Mais un truc que vous pouvez tester peut-être avec les gourdes. Moi, je le vois comme ça. Parce que, bon, pour le moment, nous, ce qu'on fait, encore une fois, c'est le coup des tisanes, parce que c'est renouvelable. Ok. C'est vraiment parce que bon, ça nous remet de la vie. C'est renouvelable, ça remet de la vie. Donc ça nous permet de rester tout le temps assez élevé en vie. Donc j'ai pas vraiment envie de changer ça. Mais si j'ai par exemple 2 gourdes, il y a le ragoût de Ranger qui paraît très intéressant à utiliser. C'est le plus élevé. Hein. On a quoi? 1200, ça c'est un gros. 1100. 1000... J'ai vu 1400 ou 1000... Non, 1200. Okay. Parce que vous prenez Ragout Ranger, vous en mettez 2. 0,35. Donc on arrive à 0,70. Donc on perd 10. On est d'accord, on perd 10. C'est pas très... C'est pas grave. On perd 10, mais on a 4000... On a 4000 de calories à l'intérieur de la gourde. En plus, c'est pas cher en objet hein, pour faire. Hein. C'est carottes... Enfin, c'est... Alors c'est une pomme de terre, une carotte et de la farine, ok. Et le bouillon c'est quoi? Bouillon c'est du sel. Donc sel, carotte, ça a l'air pas mal. Sel, carotte, pomme de terre, farine en tout. Après tout le reste c'est renouvelable donc c'est nickel. Et ça nous permettrait d'avoir état maximum et repos. Ah merde, mais ça nous fatigue. Ah oh, putain. Chier. Parce que je me dis, si on tape en fait dedans, si on a ça qui reste au chaud très longtemps, on aura tout... À chaque fois qu'on mange, c'est si je dis pas de conneries, j'imagine. À chaque fois qu'on mange, on va se donner de la chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en théorie, on peut se maintenir au chaud avec ça, avec un ragoût, tout le temps. Avec une gourde. Il faudra tester si ça marche. Parce que ça peut être vraiment très intéressant. Ça sera encore plus efficace que la tisane en fait. Parce que la tisane, faudrait la boire tout le temps. Mais le problème avec la tisane, c'est que la boisson en fait, boire ça va très vite. Alors que là, le ragoût, on pourrait en manger à chaque fois un tout petit peu. Et peut-être que ça reste au chaud quoi. Enfin, peut-être que ça nous remet de la chaleur à chaque fois qu'on mange. Genre, je sais pas, on mange 100 calories, ça nous remet un peu de chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ça nous fatiguerait, apparemment.
Je sais pas, j'ai jamais testé, j'ai jamais pris de la de nourriture en fait qui fatigue, donc je comprends, je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est vraiment horrible ou pas, je sais pas. Mais ouais, on testera ça. Je testerai un jour ou l'autre, quand on aura le matériel pour en faire. Bon, bref. Bah dites-moi si vous testez, dites-moi parce que si ça marche bien. Mais faudra récupérer plus de gourdes. Alors, la prochaine fois... Je reste à parler sur des choses, moi, des fois. La prochaine fois, ce qu'on va faire... On a... Combien on a dit? Une dizaine de kilos de viande. C'est pas énorme. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'en récupérer encore un peu plus. On va repartir sur la gauche. Ah, quoique, j'ai pas envie de repasser par là, parce que là, on peut pas utiliser le travois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut repartir en bas. Là? Ou là? Oh, j'en sais rien, en fait. Non, mais il va falloir repartir. Je vais réfléchir. Peut-être là, genre ici. Au lieu de... Parce que nous, on a tourné directement sur la gauche. Peut-être ici, genre... Je sais pas si on peut y aller, en fait. Ça paraît grand, en fait. Donc ouais, on va encore continuer à explorer de toute façon. Moi, entre-temps, bien sûr, je vais faire cuire toute la nourriture qu'on a et tout. Je vais voir si on peut faire des... Enfin, non, non, il faut les bouillons. Ah, c'est bête que les bouillons fonctionnent pas. En tout cas, ce sera tout pour cet épisode. Bah, c'était cool. On a récupéré un peu de viande, on est rentré, on a fait... On est un peu allé à droite, à gauche. C'est bête que j'ai pas pu dessiner la grotte, là, parce qu'on a eu un brouillard à ce moment-là. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. J'aime pas regarder le noir comme ça, ça me fait un peu peur. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.